Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce samedi 3 décembre et on commence bien sûr avec la Coupe du Monde. On va parler des Madrilènes en Coupe du Monde et avec les Brésiliens. Et le Brésil hier soir jouait contre le Cameroun, ça s'est plutôt mal passé pour les Madrilènes brésiliens. Une défaite 1-0 contre le Cameroun, bon, pas de conséquences vu que le Brésil est bien sûr qualifié. Le Brésil même termine premier du groupe. Donc Rodrigo, Eder, Militao ont joué lors de cette rencontre. Ils ont même commencé titulaire, Militao bien sûr en défense. Et Rodrigo a joué en tant que numéro 10 pour cette sélection brésilienne. Donc Militao a joué tout le match. Rodrigo lui a joué les 55 premières minutes de cette rencontre. Et Vini Junior n'a pas joué. Il a été préservé bien sûr pour le 8e de finale dans quelques jours. Et Militao et Rodrigo en action. Voilà une petite photo voilà, de la rencontre bien sûr des deux Madrilènes qui ont joué hier. Rodrigo bien sûr contre le Cameroun et Neymar les gars qui est forfait Neymar depuis quelques matchs avec la sélection brésilienne donc il a mis crack bien sûr voilà sur son compte Instagram en mentionnant Rodrigo bien évidemment par rapport à sa prestation hier. Une petite photo tiens de Vini Junior qui était sur le banc il est resté sur le banc tout le match mais il avait le sourire bien sûr Vini Junior. On va parler d'un autre Madrilène aussi qui jouait hier, c'est Fede Valverde avec l'Uruguay. Ça s'est plutôt bien passé niveau résultat, une victoire 2-0 pour l'Uruguay de Fede Valverde, mais le problème c'est que c'est fini la Coupe du Monde pour l'Uruguay de Fede Valverde. Un but de différence, c'est vrai qu'ils auraient marqué un troisième but hier lors de cette victoire 2-0 contre le Ghana. Il y aurait 3-0, bah, l'Uruguay aurait été qualifié pour la suite de la compétition. Donc voilà, que c'est dur bien sûr pour Fede Valverde. On peut voir qu'il était en larmes à la fin de la rencontre. Donc pour lui, retour à Madrid, bien sûr, bon, il pourra prendre quelques jours de vacances. Puis après, retour à Madrid tout simplement pour préparer cette deuxième partie de saison avec son club. Hein, voilà, un supporter de l'Uruguay en début de match avec la pancarte, l'effigie bien sûr de la star Fede Valverde. On va parler de la Mannschaft, la sélection allemande, donc on le sait depuis avant-hier, qui sont éliminés. Rudiger, il a dit, nous sommes revenus à zéro, c'est la dure réalité, beaucoup de talent, c'est bien beau, mais ce n'est pas assez, il n'y a plus l'ultime envie, faire du sale, parfois ça nous manque, nous sommes une équipe très très sympa, donc quand il dit faire du sale, voilà, des fois être plus méchant dans les rencontres, voilà, faire des fois des tacles, tout simplement, voilà, rentrer plus dans l'adversaire, voilà, cette équipe de l'Allemagne, c'est une équipe trop gentille, d'après Rudiger, voilà, c'est en gros pour ça, à cause de ça, tout simplement, qu'ils se sont fait éliminer, Toni Kroos, les gars, bon, il n'a pas joué la Coupe du Monde, bien sûr, il a regardé les matchs de sa nation, l'équipe allemande, il a dit avec notre équipe, nous devrions certainement progresser, alors si nous sommes éliminés par le Brésil en quart de finale, nous pouvons dire, d'accord, le Brésil avait peut-être 8 joueurs de classe mondiale, nous n'en avions que 4, mais ne me dites pas que nous sommes éliminé parce que nous avons moins de qualité que le Japon. Donc voilà ce qu'on peut dire. Toni Kroos, bien sûr, déçu. Il a également dit, nous avons des leaders et des joueurs qui sont bruyants sur le terrain. Kimmich est parfois presque trop bruyant. Il en va de même pour Rudiger, Manu, même Thomas Müller avec leur fin, leur mentalité, leur qualité. Ils ont fait ce qu'il faut pour diriger l'équipe, mais ça n'a pas suffi parce qu'on sait que on sait tout simplement que l'Allemagne, c'est fini pour eux pour cette Coupe du Monde. Toujours avec Toni Kroos, un chaos en phase de groupe deux fois de suite. Donc, c'est-à-dire une élimination en phase de poule deux fois de suite. Parce qu'en 2018, ça avait été le cas aussi pour l'Allemagne. Ne devrait pas nous arriver, surtout pour une sélection comme la Mannschaft qui a quand même remporté 4 fois la Coupe du Monde. Ce n'est évidemment pas un problème de qualité selon moi, mais un niveau de familiarité, de résilience et d'automatisme. Donc voilà ce que peut dire Toni Kroos par rapport à cet échec allemand. Et je connais les gars, je peux beaucoup sympathiser avec eux tout simplement. Bien sûr, il est déçu, voilà Toni Kroos, de la performance et surtout de l'élimination de cette sélection allemande. Et du coup, après cette tous les matchs de poule, parce que là maintenant il n'y a plus de match de poule en Coupe du Monde, c'est maintenant les matchs à élimination directe. Donc 4 joueurs sur les 12 joueurs du Real Madrid qui participent à cette Coupe du Monde sont déjà éliminés. Donc Courtois, Hazard, Rudiger et Fede Valverde, pour eux c'est fini la Coupe du Monde. Du coup quelques jours de vacances et pourront revenir à l'entraînement d'ici je pense une dizaine voire quinzaine de jours. Et concernant Eden Hazard, donc lui il envisage même de prendre sa retraite avec la Belgique. Rien n'est encore acté, le Belge va prendre le temps de la réflexion. Parce qu'il a pu voir voilà, que ça a été un échec de nouveau pour la Belgique. Et en plus, on a pu voir qu'il n'a pas été super bon quand il a joué Eden Hazard. Par exemple, le dernier match, il n'a même pas joué. Il a joué seulement les 5 dernières minutes de la partie. Voilà, il réfléchit tout simplement à mettre un stop à sa carrière internationale. Il avait dit avant Dallas Mondial, peut-être qu'après la Coupe du Monde, les choses seront différentes. C'est ce que Eden Hazard avait dit avant de quitter Madrid pour le camp de la Coupe du Monde, le camp de la Belgique. Mais s'il revient pire que jamais, donc le club veut se débarrasser de lui au plus vite. Mais le Belge ne veut pas partir. C'est vrai que s'il aurait fait une belle Coupe du Monde, Eden Hazard aurait été performant. Peut-être le Real Madrid aurait
pu peut-être valoriser un peu plus, comment dire, Eden Hazard. Peut-être qu'il aurait eu un peu plus de temps de jeu avec Carlo Ancelotti, ou peut-être des clubs seraient pu s'intéresser par Eden Hazard. Le problème, c'est qu'il a totalement, bon, sa sélection et lui-même a floppé, hein, lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, ça a été, ben, c'est la compétition de trop, tout simplement, hein. Le fait de trop pour le Real Madrid concernant Eden, hein. Et le mercato hivernal approche, il faudra voir quelle décision sera prise avec Eden, hein, car après ce qu'il a été vu à la Coupe du Monde, il ne semble pas que sa situation va s'améliorer, hein. On ne pense pas du tout, hein. Peu de clubs devraient faire leur part, leur intérêt pour le joueur, hein, et ça c'est un gros problème, parce que c'est l'un peu, je crois si c'est dans le top 3 des plus gros salaires, hein, du côté du Real Madrid. Et donc déjà il joue pas du côté du Real Madrid en sélection, avant il était bon, maintenant ça a été très moyen pendant cette Coupe du Monde, enfin quand on l'avait joué. Et du coup, ben, ça commence à être un gros gros problème, hein, du côté du Real. Le Real, hein, vous savez, ils aimeraient se débarrasser, enfin le vendre ou le prêter. Mais le joueur, lui, avec sa famille, se plaisent bien à Madrid, ils ne veulent pas quitter l'Espagne. Hein, et voilà. Et Ancelotti, les gars, pourra compter sur Valverde, Rudiger, Hazard et Courtois bien plus tôt que prévu. Hein. Les joueurs auront quelques jours de vacances, puis retourneront à Madrid pour s'entraîner. Ils seront prêts pour la reprise de la Liga contre Valladolid, hein, le 30 décembre prochain. C'est dans 27 jours exactement, J-27, hein, le premier match du Real Madrid pour cette deuxième partie de saison. On va parler de Luka Modric, les gars, on revient. Bah, c'était 4 ans jour pour jour en arrière, on est le 3 décembre. Bah, c'était le 3 décembre 2018, Luka Modric remportait le Ballon d'Or 2018 après sa magnifique Coupe du Monde où il avait terminé meilleur joueur, hein, de cette Coupe du Monde 2018, hein, son équipe avait atteint la finale de cette Coupe du Monde, bon, battu contre l'équipe de France, mais il avait reçu ce Ballon d'Or quelques mois après, donc félicitations bien sûr à Luka Modric, hein, c'était il y a 4 ans jour pour jour, son Ballon d'Or. Et on va parler de Josko Gvardiol, donc un coéquipier de Luka Modric, un Modric toujours qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Donc Gvardiol, les gars, c'est un joueur de 20 ans, il est exceptionnel, hein. Je ne sais pas si vous le regardez du côté de Leipzig ou même pendant cette Coupe du Monde, hein. C'est tout d'un crack, hein. 20 ans, il montre de très très belles choses, c'est un défenseur central, il a dit « Luka n'a rien à me dire sur le Real Madrid, hein. Ce n'est pas nécessaire, je sais déjà tout, je sais que c'est le plus grand club du monde et à quel point il est important d'être lié à une telle équipe, bien sûr, hein. une telle équipe, tout simplement, cette équipe du Real, voilà le beau message tout simplement de Gvardiol envers le Real, hein. Et par rapport au futur, hein, pourquoi pas pour lui jouer un jour au Real Madrid, il a dit le Real Madrid est le plus grand club du monde, alors qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais y jouer, j'aimerais bien, oui, jouer un jour du côté du Real Madrid, hein. J'espère que Florentino Pérez, tout ça a entendu la déclaration de Gvardiol, après bon, il coûte très cher, hein. Je sais que Chelsea avait fait une offre l'été dernier pour 90 millions d'euros, hein, pour ce joueur, refusé par Leipzig, hein, 90 millions d'euros pour un défenseur, il a pu devenir quasiment le défenseur le plus cher au monde, hein. Donc voilà, hein, il a 20 ans, c'est un crack, et lui aimerait jouer dans le futur du côté du Real, donc on verra bien sûr dans le futur. Richarlison sur le Real Madrid, il a dit, hein, donc Chelsea et le PSG ciblent Hendrick, hein, voilà cette pépite, puis lui le connaît très bien, Hendrick, il a dit, hein, croyez-moi, je peux dire qu'Hendrick est impressionnant, il est très fort et talentueux, il rappelle Adriano, je le regardais jouer avec le Brésil et Palmeiras, je pense que dans 2 ans il arrivera en Europe, hein. Voilà ce qu'on peut dire Richarlison sur Hendrick, hein, ce joueur que le Real Madrid bien sûr aimerait s'offrir. Quelques photos de l'entraînement du jour. Aujourd'hui, on est samedi. Bon samedi, Madridistas. Hein, voilà, sur le Twitter, hein, du Real Madrid aujourd'hui. Il y a entraînement, bien sûr. Hein, ça a déjà repris depuis 2 jours. Hein, c'était le premier où ça a repris. Donc, hier, il y a eu entraînement. Aujourd'hui également, entraînement. Quelques photos. Hein, donc là, tiens, Ferland Mendy avec Vasquez, Ceballos. On peut voir aussi Toni Kroos. On peut voir de nouveau Vasquez ou même Mendy avec Valero, même Mariano Diaz en fond d'image. Je crois qu'ils doivent être une dizaine à peu près à s'entraîner actuellement, vu qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui sont en Coupe du Monde. Et concernant Nacho, hier, j'avais dit que Nacho, hein, voilà, il était plus trop pour un prolongé, hein, du côté de Madrid, hein. Un petit rappel les gars, surtout des minutes que je vous avais pas montré hier, hein. Donc cette saison il a joué 414 minutes contre 928 l'année dernière à la même période, hein. C'est pour ça qu'il se pose des questions concernant son futur au Real, il veut avoir plus d'importance du côté de Madrid, hein. C'est pour ça, bah, qu'il hésite tout simplement à prolonger du côté du club, hein. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, et bien sûr il pourrait quitter le club libre. Concernant Kylian Mbappé, donc Florentino Pérez serait prêt à signer Kylian Mbappé au Real Madrid à 2 conditions. Il faut que ces 2 conditions soient actées ou validées pour que Mbappé, hein, soit opérationnel, enfin, puisse venir du côté du Real. Donc tout d'abord, se conformer aux règles du club en ce qui concerne les opérations marketing et publicitaires. Il faudrait déjà qu'ils se mettent d'accord sur ça. Kylian Mbappé, deuxième, se conforme, mais aux grilles salariales du club. Pas de contrat en or comme au PSG. Hein, bien sûr, il ne pourra pas toucher le contrat qui touche du côté du PSG, là, un contrat complètement fou. Hein. Donc, bien sûr, s'il vient du côté de Madrid, hein, il va falloir respecter tout ça, déjà les opérations marketing et publicitaires, et aussi son salaire, bon, qui sera gros, peut-être le plus gros salaire du côté du Real Madrid, mais ça ne sera pas le plus gros salaire de l'histoire du football. Donc voilà, concernant la situation de Kylian Mbappé. Benzema, la grande
grande surprise confirmée, les gars. Donc, Karim Benzema actuellement en vacances, hein, en, l'île de la Réunion jusqu'au 9 décembre prochain. Et on peut voir qu'il va être acteur, hein, il devrait être en, enfin, en présent lors du tournage de 4-0, prochain film, enfin un film là qui va sortir. Il y avait déjà eu le film 3-0 et un gros 4-0. Et Karim Benzema sera dans ce film, hein, il sera acteur. Voilà, quelques séquences avec bien sûr KB9. Et on finit, je crois, c'est l'avant-dernière photo du jour. Hein. Et si c'était eux, notre nouveau galactique, hein, l'époque galactique, hein, on se souvient Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, voilà, tous ces immenses champions, peut-être la nouvelle génération, bah, les galactiques, hein, vous pourrez appeler dans le futur, avec Camavinga, Tchouaméni, Vini, Militao, Valverde, ou même Rodrigo, bien sûr, hein, cette nouvelle génération qui monte en force, hein, du côté de Madrid. Et on finit bien sûr aujourd'hui avec une petite photo du stade. Hein. J'aime vous le montrer quand les travaux avancent et les travaux avancent. Regardez les gars, une photo je crois qui a été prise, c'était hier. Hein. Donc voilà, la structure métallique, on peut voir que c'est pas fini encore, la structure qui fait tout le tour du stade. Mais on peut voir que ça avance énormément, hein, beaucoup de grues, même le toit qui commence vraiment à être mis en place. Hein. Il va être sublime. Hein. Dès que j'ai les photos, dès que je vois bien sûr l'évolution des travaux, les gars, je vous montre tout ça. Bien sûr, pour voir ce sublime stade, hein, qui va être magnifique. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.